Donc c'est le cinquième dimanche et dernier dimanche que nous passons avec David. Enfin, il reviendra un jour ou l'autre, hein, mais voilà, cinquième dimanche d'affilée dans cette série sur que nous passons avec David. Et on a évoqué successivement au cours des dimanches précédents donc David le politique, David le priant, David le premier d'une dynastie fondée par Dieu, et dimanche dernier, David le tyran. Gracier. Et les épisodes que nous avons lus dimanche dernier, vraiment, ils m'étaient mal à l'aise. On voyait David se comporter en prédateur vorace avec Bethsabée, en manipulateur cynique avec tout son entourage, en meurtrier et même en assassin avec Uri, le mari de Bethsabée, et le pire, si je puis dire, c'est que le fils qui lui succédera le moment venu, Salomon, qui naît à la fin de cet épisode, est le fruit de cet adultère et de ce meurtre. Salomon. Salomon que le récit qualifie de Yedidia, c'est son surnom, ce qui signifie aimé du Seigneur. La grâce de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'amoral. Le Dieu vivant qui donne grâce et paix, qui aime et qui nous aime en dépit de tout, c'est vraiment un Dieu scandaleux. Et cette histoire est tellement choquante, donc, je vous le disais, que le livre des Chroniques l'a censuré. Je rappelais dimanche dernier que c'est cette longue période de la monarchie de l'Israël ancien qui couvre à peu près 4 siècles, elle est racontée 2 fois dans l'Ancien Testament. 1 fois dans le livre de Samuel et des Rois et 1 fois dans le livre des Chroniques. Et ces livres couvrent la même période, évoquent les mêmes événements, mais ils le font chacun avec un point de vue qui est le leur. 2 points de vue différents. Ils proposent chacun leur perspective historique avec leurs sources, chacun ses sources, donc ses postulats, son analyse. Et par conséquent, avec des différences et des écarts entre les deux, parfois des divergences et parfois même des contradictions et des incompatibilités. Et donc, l'un racontait l'histoire de David, Bethsabée et Uri, et l'autre a préféré passer cette histoire sous silence. Mais ça pose une question quand même, ça. Entre le livre de Samuel et des Rois et le livre des Chroniques, quelle est la bonne version? Qui est-ce qui a raison? Et qui est-ce qui a tort? Qui est-ce qui dit la vérité et qui est-ce qui ment? Et au fond, donc, dans ce cas précis, mais au-delà, comment est-ce que la vérité est traitée dans la Bible? C'est pas rien tout de même. Alors, il faut se rappeler quelques faits et quelques éléments de réflexion simples. D'abord, l'histoire de David et Bethsabée n'est pas la seule à être traitée de manière contradictoire. Il y en a plein, plein dans la Bible, du début à la fin des Écritures. 3 exemples très simples. Est-ce que Jésus à chasser les marchands du temple au début de son ministère ou à la fin de son ministère? C'est une question légère qui ne prête pas à conséquence, donc c'est pour ça que je la prends. Si vous lisez Matthieu, Marc et Luc, c'est à la fin de son ministère. Si vous lisez Jean, c'est au début de son ministère. Bah, c'est ou l'un ou l'autre. Le déluge. 2e exemple. Est-ce qu'il a duré à peu près 6 semaines ou est-ce qu'il a duré plusieurs mois? Et est-ce que, en dehors de toute question de vraisemblance, est-ce que c'est un couple de chaque espèce d'animal qui rentre dans l'arche ou est-ce que c'est 7 couples? Puisque le récit du déluge propose les 2 possibilités. Et c'est ou l'un ou l'autre. Et c'est pas une moyenne de 3,5. 3e exemple. Est-ce que l'être humain a été créé homme et femme comme une sorte d'apothéose de la création? Comme dit le premier chapitre de la Genèse, ou bien est-ce qu'il a été créé homme, puis femme, comme une inauguration au début de la création, comme dit le 2e chapitre de la Genèse. Et on pourrait multiplier les exemples sur des questions bien plus épineuses et bien plus fondamentales que celles-là. Celles-là que je choisis justement parce qu'elles sont assez légères. Comment est-ce que la vérité est traitée dans la Bible? Eh bien, tout dépend de ce que je vais y chercher. Si je vais y chercher une vérité exactitude, je serai souvent et même très souvent déçu. Parce que la Bible ne manque pas d'inexactitude et même
de contradiction, et elle le sait fort bien elle-même. Les exemples que je viens de donner en témoignent, parce que si ceux qui ont transmis ces textes avaient voulu chasser les incohérences, eh bien, ils l'auraient fait. Ils auraient harmonisé les récits des marchands chassés du temple, du déluge ou de la création. Mais voilà, ils ne l'ont pas fait. Il y a deux récits de création, il y a un double récit du déluge, il y a deux manières de situer l'épisode des marchands chassés du temple. Il n'y en a pas non plus 36, d'ailleurs. De même qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, et pas un seul, mais pas non plus des dizaines, alors qu'il y a des dizaines d'évangiles qui ont été écrits. Autrement dit, et c'est vraiment capital, les rédacteurs, les compilateurs, les transmetteurs de la Bible ont choisi une diversité réelle. Ils l'ont choisi. Les Écritures offrent délibérément une multiplicité de points de vue. Elle n'est pas infinie. Je ne trouve pas dans la Bible n'importe quoi. Mais cette multiplicité est profonde. Je trouve dans les Écritures des angles, des options, des thèses diverses, parfois concurrentes, parfois opposées. Donc je disais à propos de la vérité, tout dépend de ce que je vais chercher dans la Bible. Mais il y a plus important que la question « qu'est-ce que je vais y chercher ?», c'est la question, et qui est en amont en quelque sorte, « qu'est-ce que les Écritures veulent me donner ?» Qu'est-ce qu'elles veulent me donner ? Eh bien, ce qu'elles veulent me donner, c'est pas de l'ordre de la vérité exactitude. Ce qu'elles veulent me donner, c'est de l'ordre de la vérité existentielle. Une vérité à vivre. Une vérité qui me rend responsable. Les Écritures, elles sont pas une base de données factuelles. Elles sont pas non plus un sac de dogmes à prendre ou à laisser. Les Écritures, elles racontent des histoires pour notre histoire. Elle présente des textes, des personnages, des situations, des points de vue, des cheminements pour mon propre cheminement. Elle me propose des histoires pour mon histoire en vérité, avec Dieu, avec moi-même, avec les autres. Et c'est en ça qu'elles sont fiables. Alors ce matin, pour le dernier de ces dimanches avec David, je vous propose un texte qui est sans doute l'un des plus épineux. En général, on évite prudemment. L'un des plus vertigineux même, autour de ces questions-là. Pour faire le lien avec dimanche dernier, dans le fil de l'histoire de David, donc dimanche dernier, David, Bethsabée, Uri, la naissance de Salomon, c'était déjà pas très beau, mais alors, ça se gâte franchement après. Ça se gâte franchement après, puisque dans la suite de l'histoire de David, qui couvre une douzaine de chapitres, c'est de pire en pire. Parmi ses enfants, il y a des viols, entre eux, des meurtres, il y a des complots, il y a des tentatives de coup d'État, il y a une lutte à mort, au sens propre, entre David et son fils, Absalom, qui veut le supplanter, etc., etc. Je vous fais grâce de la liste. Mais l'avancée en âge de David jusqu'à sa grande vieillesse, ça donne la nausée. Et on arrive au dernier épisode marquant avant sa mort, au chapitre 24 du livre de Samuel, tome 2. On ne va pas le lire parce que ça ferait tout un chapitre, ce serait un peu long, on pourrait le lire tranquillement, si vous voulez. Je vous le résume vite fait parce que c'est simple. David décide de recenser le peuple. Le peuple de tout Israël. Effroi de son général, Joab, et des officiers qui doivent faire ce recensement, ils sont épouvantés parce que ils savent bien que Dieu a dit et répété que le peuple d'Israël ne peut pas être dénombré. Et donc, dénombrer le peuple, c'est un blasphème. Il y avait bien eu une exception autrefois pendant la traversée du désert, mais spéciale, et en dehors de cette exception, le recensement est interdit. Pourtant, c'est la suite du chapitre, le recensement a lieu, et dès qu'il est achevé, David ouvre les yeux sur ce qu'il a fait, il prend conscience de ce qu'il a fait, il se repent et il supplie Dieu de lui pardonner. Troisième étape du récit, par l'intermédiaire du prophète Gad, Dieu donne à David le choix. Tu vas choisir
entre 7 ans de famine, 3 mois de défaite militaire ou 3 jours de peste. Dieu donne ce choix à David. David choisit la peste. 70 000 morts. Et puis David achète un terrain où il offre solennellement un sacrifice. Le fléau s'arrête alors que Dieu avait déjà décidé d'arrêter le fléau. C'est un récit extrêmement énigmatique. Plein d'épisodes difficilement compréhensibles, qui laissent plein de questions sans réponse. Par exemple, pourquoi est-ce que Dieu se met en colère? Ça commence, on le verra tout à l'heure, ça commence par Dieu se met en colère. Mais pourquoi est-ce qu'il se met en colère? Pourquoi David devient lucide tout à coup sur ce qu'il a fait? Pourquoi Dieu punit tout le peuple à travers la famine ou la guerre ou la peste, alors que c'est David qui est responsable, et en tout cas que le peuple n'est coupable de rien, comme David le fait lui-même remarquer à Dieu? Qu'est-ce que Dieu punit le peuple? Pourquoi est-ce que Dieu fait reposer le choix du fléau sur David? Pourquoi est-ce que David offre un sacrifice alors que le récit dit que le fléau s'était déjà arrêté? Alors, vu de très loin, on devine bien que l'intention du récit, c'est de critiquer l'institution royale, de montrer qu'elle court toujours le risque de pousser le roi à se mettre à la place de Dieu. Et rappelez-vous, c'était avec ça qu'on avait commencé le premier dimanche sur David. Donc ça revient à la fin de la vie de David. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser David à recenser le peuple de tout Israël? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qui l'a incité à ça? Eh bien, c'est là que ça devient vertigineux. Et qu'on retrouve cette question de la diversité des Écritures et parfois des contradictions en leur sein, mais alors ici exposées de manière brutale. Car voici comment le récit commence dans le livre de Samuel et des Rois, c'est ce que vous avez sur votre feuille, le petit encadré en bas à gauche. Le Seigneur se mit de nouveau en colère contre Israël. Il incita David à leur faire du tort en disant « Va, dénombre Israël et Juda ». Vous avez bien entendu. C'est Dieu lui-même qui incite David. C'est Dieu qui est responsable de ce dénombrement, de la faute de David, de la peste, des 70 000 morts. Et c'est même pas présenté comme une sorte d'épreuve pour voir comment David va résister et s'en sortir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inéluctable, donc quelque chose qui est de l'ordre du tragique. Dieu entraîne David dans un recensement tragique. Et c'est une idée tellement insupportable que le livre des Chroniques, vous vous rappelez celui qui avait déjà censuré l'histoire de David et Bethsabée, le livre des Chroniques raconte les choses ainsi, lui, l'adversaire se dressa contre Israël. Il incita David à dénombrer Israël. L'adversaire, en hébreu, ça se dit Satan, qui a donné la transcription française Satan. Donc vous comprenez bien, ce qu'un livre de la Bible attribue à Dieu, au Seigneur, Yahvé, c'est le mot qui est employé là, un autre livre de la Bible l'attribue au Satan, ou à un Satan. Donc Satan, le diable. Mais alors le diable, ça existe? Et Dieu peut être un diable? Et le diable peut être Dieu? Et David, le premier de la lignée de la dynastie messianique, il se retrouve ainsi coincé, ballotté entre Dieu et diable? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qu'est-ce que ça dit de mon histoire? Avant de poursuivre, on va chanter un psaume de David, évidemment. Obligatoire. Donc on va chanter le psaume 62. Il se trouve page 74, ce psaume 62. Et on va chanter deux strophes simplement dans ce psaume. La première et la troisième strophe, 1 et 3.
du psaume 62, En toi, mon Dieu, toi seulement. Le Satan, le diable, ça sent quand même assez bon le Moyen-Âge, cette affaire. Hein, ou alors des formes de christianisme très éloignées de la nôtre. Ou alors des formes de complotisme genre QAnon, qui pratiquent ça abondamment. Certaines églises accordent une grande place au diable, y compris des églises protestantes. Et elles sont souvent assez prospères, dynamiques. Est-ce qu'elles ont raison ? Satan, le diable, ça existe ? Ça n'existe pas ? Quand on est chrétien, est-ce qu'il faut croire au diable ? Est-ce qu'il faut ne pas y croire ? Et pour garder le lien avec notre chapitre, là, enfin notre verset de ce matin, qu'est-ce qui provoque l'enchaînement tragique ? Est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que c'est l'adversaire ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable ? Je vous propose 4 remarques rapides pour essayer d'y voir un tout petit peu clair. Enfin, je ne sais pas, peut-être que ce sera encore plus embrouillé après d'ailleurs. Bien. D'abord, la Bible, elle ne s'intéresse pas vraiment au diable. Ce ne sont que des statistiques, mais enfin, ça donne une indication. Les mots utilisés pour désigner le personnage, je mets des guillemets à personnage, on va y revenir, c'est-à-dire Satan, Satan dans l'hébreu de l'Ancien Testament et Diabolos dans le grec du Nouveau Testament, en tout et pour tout, sur l'ensemble de la Bible, ils sont utilisés une 60aine de fois sur 1886 pages, quand même pour beaucoup. C'est un thème périphérique, annexe. C'est pas du tout au centre. Quand ces mots sont utilisés, c'est très souvent de manière extrêmement rapide et allusive. Jamais il y a de spéculation sur Satan. Jamais il y a de théorie du diable développée. Surtout, ce sont des noms communs. C'est un Satan. C'est un diable. Quelquefois, rarissimement, le Satan. Le diable. Un Satan, c'est utilisé hein, dans le texte de la Bible comme pour désigner un obstacle sur un chemin. Ça, c'est un Satan. C'est un adversaire militaire, c'est un accusateur au tribunal. Autrement dit, un Satan, ça exerce un certain... ça joue un rôle, ça exerce une fonction. C'est une adversité concrète. Par exemple, comme quand Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Il ne voit pas tout à coup Pierre avec des petites cornes et une queue fourchue. Ça désigne une fonction. 3 fois seulement dans l'Ancien Testament, cette fonction peut éventuellement être comprise comme étant personnifiée. Et encore, c'est très discutable. Sur la feuille, vous avez vu, hein, il y a marqué « l'adversaire » avec un « A » majuscule. Manifestement, le traducteur a choisi de personnifier le Satan de ce verset. Mais il y a marqué « Satan » et il n'y a pas d'article indéfini, un ou une, en hébreu. Donc on peut aussi bien traduire ce mot par « l'adversaire » avec un « A » majuscule et « un adversaire, un ennemi, un obstacle ». L'important, en tout cas, c'est ce qu'il produit. Et dans le Nouveau Testament, le diabolos, c'est quelqu'un... diabolos, ça veut dire hein, quelqu'un qui lance de part et d'autre, qui se jette en travers, qui coince le pied dans la porte, si vous voulez. C'est ça, le diabolos, qui divise. Et dans la littérature non religieuse, profane, parce que le mot est employé partout, le mot désigne quelqu'un qui désunit, quelqu'un qui dénigre, quelqu'un qui calomnie. Un diabolos, c'est un calomniateur. Mais il est vrai que dans le Nouveau Testament, ce personnage a plus de consistance. J'allais dire qu'il a quelquefois quelque chose comme une personnalité propre parce qu'il y a eu une évolution. Je vais y revenir. Mais donc, retenons que le Satan, le diable, c'est ce qui sème la zizanie. Jésus le dit avec ce mot-là. Un ennemi qui sème la zizanie. Je viens de dire qu'il y a eu une évolution dans la conception de ce personnage. C'est très important, parce qu'il n'y a pas une conception du Satan ou du diable dans la Bible. Ça change et ça se modifie. Dans les textes de l'ancien Israël, il n'est pas du tout question du Satan, jamais. On explique les malheurs
qui frappe les individus ou les groupes, très simplement en les comprenant comme une punition, un malheur, c'est une sanction de Dieu. Et puis, le temps passe et certains auteurs de la Bible, qu'on retrouve dans la Bible, affrontent un jour ce qui cloche dans cette théorie du malheur qui est une rétribution, une punition. C'est qu'il y a des crapules qui se portent très bien et que c'est qu'il y a des justes qui souffrent. Donc la théorie du malheur rétribution, récompense quand ça va bien, puis un malheur quand ça va mal, punition, il y a un truc qui cloche. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire qu'il doit y avoir un personnage céleste qui serait l'auteur du malheur des hommes. Et il y a des moments où c'est lui qui l'emporte, et puis il y a des moments où c'est Dieu qui l'emporte. Mais alors ça pose une autre question. Ça pose une autre question, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux? Ça veut dire qu'il y en a un bon et un mauvais, voire d'autres, avec une hiérarchie? Et certains auteurs, le temps passe biblique, voient là un risque de dualisme qui s'oppose à la confession de foi fondamentale d'Israël, le Seigneur est un. Donc, en toute logique, ils affirment que Dieu est l'auteur de toutes choses et même, oui, du malheur. Il se sert du malheur. De même, c'est le même auteur qui le dit, qu'il se sert de certains souverains païens comme Cyrus pour conduire l'histoire, ben, il se sert du malheur. Ou alors ils utilisent le mot Satan pour évoquer la face cachée de Dieu, la face incompréhensible de Dieu. Et c'est ça qui est mis en évidence dans les deux versets là qu'on a lus, dans Samuel et dans Chronique. L'un attribue le processus tragique au Seigneur, Yahvé, unique. L'autre l'attribue au Satan ou à un Satan. L'évolution s'arrête pas là, ça continue. Et plus le temps passe, plus la culture dans laquelle Israël baigne, y compris à l'époque grecque et romaine, hein, est peuplée d'anges, de démons, de diables. Alors avec des théories pour le coup qui se développent et qui se développent de plus en plus dans cette ambiance de mondialisation de l'époque où il y a beaucoup d'échanges interreligieux et culturels. Et le Nouveau Testament suit le mouvement, il baigne dans ce jus-là. Et il est marqué par cette omniprésence des puissances célestes et cachées. Donc vous voyez, il y a de profondes transformations à travers l'histoire, au fil du temps, des échanges culturels, des élaborations théologiques sur cette question du diable et de son lien, ou pas, au malheur qui frappe les hommes. Donc soit on satanise le malheur, soit on reconnaît que Dieu a un côté incompréhensible, obscur, pour nous. Vous l'avez compris, je ne crois pas au diable. J'espère ne choquer personne, mais je ne crois pas qu'il y ait, au ciel, des complots et des luttes avec des grands froufrous de plumes sombre et sulfureuse ou lumineuse. Je ne crois en aucune façon que le diable existe comme un être céleste. Je sais bien que certains textes bibliques en parlent ainsi, je sais lire comme tout le monde. Mais la Bible dit aussi que le ciel est une voûte et que la terre est plate, et je ne suis pas pour autant obligé d'y croire. Soit dit entre parenthèses, le diable, quelquefois, ça me paraît un peu facile, parce que ça peut être un magnifique oreiller de paresse. Après tout, le malheur des hommes, c'est le fruit de ce combat céleste. Il n'y a plus besoin de s'interroger sur la responsabilité qui est la nôtre, sur la responsabilité qui est la mienne. Dans les malheurs que je vois chaque jour, c'est leur affaire, là-haut, c'est pas la mienne. Je fais mes petites affaires. Le Satan, le diable, ça fait partie des représentations mouvantes selon les époques. Et c'est une manière de parler de quelque chose d'autre, qui est beaucoup plus profond. C'est un langage qui cherche à dire quelque chose de beaucoup plus important, et ça, ça m'intéresse. Le Satan, le diable et son train, ce dont ça parle, c'est de tout ce qui me sépare de Dieu et des autres. De tout ce qui m'oppose parfois
à Dieu et aux autres. Ça parle de cette énergie du malheur qui me précède, que j'ai trouvée dans le monde quand j'y suis arrivé, qui me dépasse, qui est plus forte que moi, mais à laquelle je cède aussi, si facilement, et à laquelle je contribue parfois, malgré moi, comme le dit très bien l'apôtre Paul. Ça parle de cette dynamique de suspicion, de conflit, de dénigrement, de zizanie qui fait du mal, qui brise la confiance reçue et la confiance partagée. Ça parle de cette petite voix, comme celle du vieux serpent de la Genèse, là, qui me murmure « Écoute-moi plutôt que Dieu. Écoute-toi, écoute-toi. Écoute-toi et toi seulement. Parce que tu sais, tu peux très bien être un Dieu à toi tout seul. Tu n'as besoin de personne pour être le roi de ta vie. Le diable, ça n'existe pas. Mais le diabolique, ça existe. Et ça existe bel et bien. Et le Satan, le diable, à la fin des fins, c'est un mot, c'est une ressource, c'est un concept, c'est une catégorie, c'est une représentation, pour personnifier une question qui nous est adressée. Et cette question, c'est celle-ci. Quel est le Dieu auquel nous nous confions? Qui est le Dieu auquel tu te confies? Ce que nous pouvons ultimement connaître du Dieu vivant, c'est Jésus-Christ qui nous l'a appris. Et il l'a fait sur un chemin qui va de la crèche à la croix et au tombeau vide. Et ainsi, il nous parle d'un Dieu proche, vulnérable, puissant par sa faiblesse même. Un Dieu aimant et à hauteur d'homme. Un Dieu qui devient humain pour que nous aussi nous devenions humains. Seulement et pleinement humains. Eh bien, le diable, c'est ce que nous imaginons quand nous ne nous satisfaisons pas de ce Dieu devenu humain et qui nous appelle à l'humanité. Le diable, c'est ce que nous imaginons de ce qui, en Dieu, nous échappe. Et bien sûr que nous ne savons pas tout de Dieu, mais que nous ne supportons pas de ne pas savoir. Le diable, c'est la face cachée de Dieu selon notre imaginaire. Comme un miroir qui nous est tendu, il est le reflet de notre propre désir de puissance ou de terreur. Il est la représentation de ce que nous voudrions que Dieu soit pour pouvoir le séduire ou pour pouvoir le maudire et le rejeter. Luther disait, dans une formule à Luther, « Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est le diable. » Il n'y a pas si longtemps, nous fêtions le fils de David venu au monde dans une mangeoire, sur la paille, au ras du sol. Mercredi prochain, nous entrerons dans le temps qui précède la Passion, où le fils de David acclamé sera crucifié et ressuscité. Voilà le chemin sur lequel le Dieu vivant nous accompagne et nous entraîne en Jésus, le Christ, un chemin d'humanité, un chemin de réconciliation. Ne cherchons pas Dieu ailleurs, nous n'y trouverons que nos reflets hideux. Mais avec lui et grâce à lui, nous savons que le malheur des hommes, jusque la mort même, qui en est le dernier mot, le malheur des hommes est traversé et vaincu. Et donc,
libérés d'un ciel peuplé de puissance, nous pouvons être solidaires des hommes dans leur malheur, résister avec eux à leur malheur et partager l'Évangile en plein cœur du malheur. Amen.